Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien. Vous l'avez sans doute vu sur ma chaîne, si vous êtes attentif, la maison connectée, c'est un domaine qui me passionne de plus en plus. Et si vous êtes comme moi, et ben dans ce cas, ça me fait plaisir de partager mes découvertes avec vous. Alors quand on me propose de tester des produits connectés, et principalement pour la maison, et bien je regarde trois aspects. D'une part, il faut que ce soit un objet utile, évidemment, ensuite qu'il soit simple à installer, et enfin, il faut aussi qu'il soit facile à utiliser. Et quand ces trois aspects sont réunis, et bien à mon avis déjà, c'est un produit qui mérite qu'on s'y intéresse, et si je pense qu'il peut aussi intéresser le plus grand nombre, et bien dans ce cas, autant partager cette découverte et c'est donc sans doute une bonne idée d'en faire une vidéo. Alors aujourd'hui, quand on veut installer un objet connecté à la maison, le principal frein, et je vous assure que pour moi c'est souvent le cas, eh bien c'est le fait qu'il soit indispensable d'utiliser plusieurs applications pour contrôler ces objets connectés à la maison. En général, on doit même utiliser une application par marque d'objets connectés, et même si on peut utiliser des plateformes comme Google Assistant ou Apple HomeKit, utiliser une appli par produit, bah juste pour servir de ces objets connectés, ça peut vite devenir compliqué. Alors la vidéo d'aujourd'hui est réalisée en partenariat avec Orange qui m'a proposé de vous présenter leur service maison connecté. Et ce que propose Orange va directement intéresser des millions de personnes en France parce qu'ils possèdent déjà un objet qui est indispensable pour en profiter, la Livebox, donc la box d'Orange. Et là où la proposition de Orange est super intéressante, c'est que si vous avez donc une Livebox 4 ou 5 et un abonnement Up, le service maison connectée est déjà inclus dans votre abonnement internet Orange. Il suffit alors de télécharger une seule application qui s'appelle donc maison connectée, elle est gratuite et depuis cette appli, eh ben vous allez pouvoir gérer des objets connectés qui vont vous rendre des services dans toute la maison. Alors vous pouvez trouver l'application maison connectée sur le store Google Play si vous êtes sur Android ou sur l'App Store si vous êtes sur iPad ou iPhone. Alors un détail, vous n'avez pas besoin de créer de compte pour utiliser cette application, il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant de compte internet principal Orange pour activer le service maison connectée. Dans l'application, vous devez créer votre foyer. Le foyer, c'est ce qui représente votre maison, votre appartement. Ensuite, vous pouvez commencer à installer des objets connectés. Alors quand on utilise des objets connectés à la maison, on peut classer les usages en trois catégories: le confort, la sérénité et l'économie d'énergie. Et on va commencer par voir comment les objets connectés peuvent apporter du confort dans la maison. Alors pour moi, l'une des plus grandes révolutions de la maison connectée, ce sont les lumières. Et il existe deux types d'ampoules connectées, celles qui proposent plusieurs tonalités de lumière blanche et celles dont on peut entièrement choisir la couleur parmi tout le spectre de l'arc-en-ciel. Vous connaissez peut-être les ampoules Philips Hue. Et bien ici, c'est la même chose. Les ampoules vendues par Orange marchent exactement pareil et elles sont d'ailleurs moins chères. D'ailleurs, les ampoules Philips Hue sont aussi compatibles avec l'application maison connectée de Orange. Une fois que l'ampoule est branchée et son interrupteur allumé, vous devez ajouter cette lumière dans l'application. Ensuite, pour les ampoules blanches, on peut choisir de faire varier l'intensité de la lumière et avec les lampes de couleur, on peut aller encore plus loin parce qu'on peut créer des ambiances très différentes suivant le contexte. Une soirée télé avec une légère lumière blanche ou alors une ambiance pour le jeu vidéo avec dans ce cas des couleurs plutôt vives, rouge, verte ou bleu par exemple. Depuis l'application, on peut également programmer l'allumage, l'intensité de la lumière et l'instruction des lampes à des horaires précis. Et je vous donne un exemple que j'utilise chez moi. La lumière de ma lampe de chevet s'allume automatiquement tous les matins en même temps que mon réveil et bien entendu, j'ai programmé une intensité assez faible pour pas être réveillé en sursaut. Alors pour contrôler une lampe, le moyen le plus simple, c'est évidemment l'interrupteur. C'est comme ça qu'on allume ou qu'on éteint la lumière depuis toujours. Donc même avec une lampe connectée ou un groupe d'ampoules, je vous conseille aussi l'interrupteur connecté qui permet de continuer à allumer et éteindre vos lumières comme vous l'avez toujours fait. Sauf que là, l'interrupteur qui est dispo chez Orange comprend aussi un variateur d'intensité pour la lumière. Ah, et puis un objet super pratique qui peut être contrôlé depuis l'application maison connectée, c'est la prise de courant intelligente dont vous pouvez contrôler la mise en route et l'extinction soit manuellement, soit en la programmant. C'est super utile pour contrôler une lampe, un radiateur ou même la machine à café ou la bouilloire si ceux que vous avez ne sont pas directement programmables. En fait, avec cette prise, vous pouvez imaginer plein d'usages différents avec tous les appareils électriques de la maison. Alors un autre aspect super intéressant dans la maison connectée, c'est le fait d'être rassuré grâce aux objets que vous pouvez installer chez vous. Toujours dans les bonnes idées, je vous conseille de jeter un œil au détecteur d'ouverture qui peut être fixé au bord d'une porte ou d'une fenêtre. Comme son nom l'indique, il vous envoie une notification quand il détecte une porte ou une fenêtre ouverte. Vous pouvez évidemment définir des plages horaires pendant lesquelles vous souhaitez être averti, la nuit, la journée, quand vous n'êtes pas là ou quand vous partez en vacances par exemple. Ça peut être aussi très pratique pour vous avertir si vous avez oublié de fermer une porte ou une fenêtre en partant de chez vous. Alors de la même manière et aussi comme son nom l'indique, le détecteur de mouvement peut vous alerter quand il détecte un mouvement suspect, quand par exemple personne n'est censé se trouver chez vous. D'ailleurs, si vous avez des animaux, le détecteur ne se déclenche pas quand il détecte des animaux de moins de 30 kg. C'est plutôt bien vu. Alors encore un accessoire très utile, la caméra pour s'assurer que tout va bien à la maison. Orange propose la caméra D-Link qui est toute petite, très discrète. Alors une fois connectée à votre réseau en Wi-Fi, elle peut d'une part vous permettre de voir ce qu'il se passe chez vous en temps réel, même si vous n'êtes pas à la maison. Mais encore plus fort, le détecteur de mouvement peut vous envoyer une notification, mais la caméra permet d'aller encore plus loin évidemment, parce qu'elle permet de voir ce qu'il se passe chez vous, par exemple lorsque vos enfants rentrent de l'école ou lorsque vos chats profitent de votre absence pour s'amuser en plein milieu du salon. D'ailleurs, vous pouvez créer de vrais scénarios avec tout ce dont je vous ai parlé, par exemple avec les lampes connectées
l'été, vous pouvez programmer l'allumage des lumières même quand vous n'êtes pas chez vous, ce qui peut clairement dissuader des gens trop curieux, par exemple en journée ou quand vous êtes en vacances. Autre exemple, si vous avez des volets roulants électriques comme des volets Somfy, vous pouvez programmer l'ouverture et la fermeture des volets dans l'application. Là encore, ça permet de simuler une présence à la maison même si vous n'y êtes pas. Enfin, un petit objet très utile proposé par Orange, c'est le détecteur de fuite d'eau, et figurez-vous que lui aussi est connecté. Il suffit de le placer à un endroit stratégique, par exemple sous un lavabo ou un évier, et si vous avez une fuite d'eau, eh bien vous recevrez une notification dans l'application. C'est tout simple, hein, mais ça vous permet de réagir rapidement pour éviter un plus gros pépin. Enfin, troisième usage important de la maison connectée, c'est la possibilité de faire des économies d'énergie, et vous en doutez sans doute, on va pouvoir le faire en utilisant plusieurs objets dont on a déjà parlé. Par exemple, avec l'application, vous pouvez programmer l'extinction des feux dans toute la maison à une heure précise. Là, on parle des lampes, mais avec la prise intelligente, ça peut être aussi un ordinateur, votre chargeur de téléphone qui n'ont pas besoin de marcher toute la nuit. Vous pouvez aussi éteindre toutes les lumières de la maison d'un seul clic dans l'appli avant de partir au travail. Et ça va encore plus loin parce que vous pouvez créer des scénarios qui utilisent plusieurs objets. Je vous donne un exemple concret. Si vous utilisez un thermostat, et vous pouvez utiliser le modèle connecté Netatmo que vous connaissez peut-être, et si en hiver vous avez oublié de fermer une fenêtre en partant de chez vous, l'application le sait grâce au détecteur d'ouverture et elle fait passer le thermostat en mode hors gel et donc automatiquement le chauffage s'arrête. Alors tout ce que je viens de vous expliquer, ce sont des exemples, hein, et vous pouvez imaginer encore pas mal d'usages et de scénarios supplémentaires en installant plusieurs lampes, plusieurs prises intelligentes. Une seule application est nécessaire et je vous l'ai dit, il suffit d'avoir une Livebox 4 ou 5 pour en profiter. Sur le site web et dans les boutiques Orange, vous trouverez un espace dédié à la maison connectée avec plein d'objets connectés compatibles avec cette application. Et si vous ne savez pas par où commencer, je vous conseille de jeter un œil au pack découverte qui inclut une prise intelligente, un détecteur d'ouverture et un détecteur de présence. Alors vous le voyez, je suis de retour après plusieurs jours de tests à la maison. Alors je vous l'ai dit, cette vidéo est en partenariat avec Orange, mais vous le savez, je dis toujours la vérité. Et le fait que ce soit un partenariat ne change rien à mon avis sur les produits. Et ça, je vous le dis à chaque fois. Je vais donc vous donner mon avis d'utilisateur, je vais vous dire ce qui est réussi, mais je vais aussi vous expliquer ce que je regrette et qu'il est un petit peu moins dans le service maison connectée. Alors tout d'abord, premier aspect qui m'a beaucoup plu, c'est le côté ultra simple pour tout installer. Ça fait très longtemps que je teste des objets connectés et j'ai rarement vu une installation aussi rapide et aussi facile. Et ce que je trouve très pratique, par exemple, c'est le fait que les objets qui sont de marques différentes mais qui sont distribués sous la marque Orange sont tous directement installables depuis l'application Maison Connectée. Il y a un petit manuel de quelques pages qui est livré avec chacun des objets. Ça vous permet de comprendre comment on installe physiquement les objets connectés que vous achetez. Mais le reste est aussi très très simple, hein. Il suffit ensuite de rajouter un objet dans l'application et il est fonctionnel et accessible en quelques secondes. Alors, autre côté super positif dans l'appli, c'est la possibilité de créer des scénarios qui peuvent utiliser plusieurs objets que vous avez installés chez vous. Donc, on en choisit un, on voit quels objets vont pouvoir être utilisés dans ce scénario et ensuite on définit comment est-ce qu'ils vont interagir entre eux. Et la mise en place est tellement simple que c'est vraiment à la portée de tous. Enfin, dernier point positif, j'ai découvert que l'application vous permettait aussi de surveiller la consommation électrique des objets branchés sur les prises intelligentes. On peut donc voir la consommation électrique en temps réel, vous pouvez donc vérifier ce que consomment vos appareils pendant que vous les utilisez et vous avez aussi la possibilité de voir l'historique de consommation de vos objets et ça aussi c'est très très bien pour avoir un aperçu et maîtriser sa consommation d'énergie sur la durée. En revanche, il y a quelques points qui m'ont un petit peu déçu. En dehors des objets de marque Orange, certains autres objets de marque partenaire comme par exemple les lampes Philips Hue ou la caméra D-Link nécessitent l'installation de leurs propres applications. Il faut donc créer un compte sur l'application D-Link et il faut créer un compte sur l'application Philips Hue. Ensuite, un autre point négatif, le temps de réaction des lampes de marque Orange. Quand par exemple vous changez de couleur, quand vous éteignez, quand vous allumez ou quand vous voulez modifier l'intensité lumineuse de vos lampes, il y a un petit temps de latence d'environ 2 secondes. Alors c'est pas énorme, hein, mais c'est pas instantané et ce temps de latence, eh bien il n'existe pas quand vous utilisez des lampes Philips Hue. En revanche, ça aussi je vous l'ai dit, les lampes vendues sous la marque Orange sont quand même beaucoup beaucoup moins chères que les lampes Philips Hue. Alors si ces produits vous intéressent, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo pour découvrir tout ce que propose Orange pour la maison connectée. Je vous ai aussi mis un lien vers l'application maison connectée pour iOS et pour Android. Elle est gratuite, il n'y a pas besoin d'abonnement supplémentaire à partir du moment où vous êtes déjà abonné Orange pour votre accès internet avec une offre up et que vous avez donc une Livebox 4 ou 5. Et pour les reconnaître, c'est simple, hein, ce sont les Livebox noires. Alors vous pouvez commencer à tester avec un seul objet et vous verrez que ça devrait vous donner envie d'en acheter plein d'autres parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Et je parle par expérience parce que chez moi, c'est ce que j'ai fait avec les lampes connectées. Par exemple, j'en ai mis dans quasiment toutes les pièces. C'est assez génial et je pense que j'aurais du mal à revenir en arrière. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura intéressé et peut-être donné envie de vous lancer dans la maison connectée. Merci à Orange avec qui j'ai réalisé cette vidéo et merci aussi à mes chats qui ont été super coopératifs pendant le tournage de cette vidéo chez moi. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais aussi de votre appart et de votre maison, hein. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.